Bonjour tous les amis des lapins, ici Aurélie. Alors en ce moment il fait beau, il fait chaud, on commence à vouloir sortir son lapin dehors sur les terrasses et les balcons. Il faut faire très attention de bien sécuriser son balcon pour pas que le lapin y tombe. Bien sûr le lapin il va pas sauter de lui-même, il va pas être suicidaire, mais il se peut que d'un seul coup il est pris de panique, qu'il y a quelque chose qui lui fait peur, un bruit qu'il connaît pas, dont il n'a pas l'habitude, ou quelque chose qui le surprenne et qu'il se mette à courir et qu'il tombe. C'est tout à fait possible. Donc il est vraiment important de bien sécuriser son balcon. Même si vous n'êtes pas dans un balcon qui est surélevé, que vous êtes sur une terrasse au rez-de-chaussée, il faut sécuriser pas que le lapin s'échappe. Le lapin il peut vouloir aller explorer à l'extérieur, s'échapper et après se perdre, ne pas trouver, retrouver le chemin de la maison ou se faire attaquer par des prédateurs. Donc ça c'est vraiment important de bien tout sécuriser pour pas que le lapin puisse ou sauter, se blesser, s'échapper. Donc ça c'est ce qu'on a fait nous sur nos deux balcons, on a deux balcons à la maison, un balcon où Pam va, qui est connecté au salon, et un deuxième balcon au niveau de la chambre où elle n'a pas. On a décidé de sécuriser les deux balcons parce qu'on se dit que si par inadvertance elle arrive à passer dans la chambre, ce qui arrive de temps en temps, et qu'elle passe sur le balcon, ça peut être dangereux. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté du grillage à peu près 50 cm de haut qu'on a installé tout autour du des deux balcons. Au départ, sur le balcon du salon, on a de la petite terrasse. On avait juste une protection en paille qu'on avait mis pour Filou, parce que Filou, il était aveugle, il aurait pu aussi y tomber. Sauf que lui, il était très peu vif et du coup, bah, il risquait pas de le déchirer, de l'enlever, de s'acharner contre ça. Par contre, Pam, elle est très vive. Elle court partout, elle tire partout, elle fait un petit peu des dégâts. Donc une petite protection en paille, ça suffit pas, elle l'aurait mangé assez rapidement. Là qu'elle commence à être grande. Donc du coup ce qu'on a fait, bah, c'est qu'on a retiré ça, mis du grillage dur en métal derrière, et après on a recouvert pour faire joli. Donc on a vu que au magasin de bricolage, il y avait plusieurs types de grillage. Donc soit il y en avait des plus hauts, donc vous pouvez prendre hein, bien sûr des hauteurs plus hautes sur 1 mètre. On s'est dit que 50 cm ça suffisait, parce qu'elle n'allait pas sauter, puis parce qu'on a cette protection par-dessus. Il y a aussi plusieurs types de grillage, on a choisi les grillages en petits carrés, plutôt que les grillages à poules qui ont des alvéoles beaucoup plus grosses, parce que comme ça elle peut moins... déjà elle peut pas se coincer une patte dedans et se la tordre, elle peut moins l'attraper avec ses dents pour s'acharner dessus, donc c'est plus sécurisant je trouve. Et en plus, c'est beaucoup plus résistant, beaucoup plus dur, celui aux grosses alvéoles et un fil de fer beaucoup plus fin. Donc nous on a choisi ça, mais l'autre aussi ça peut aller. Sinon il y avait aussi des grillages en plastique. Ça j'ai préféré pas le prendre parce que le plastique, bah, les lapins ils arrivent quand même assez facilement à les casser. Hein. Enfin, ça se voit très bien avec les câbles électriques. Ils arrivent facilement à les ronger, puis s'ils en avalent les petits bouts, bah, c'est vraiment pas bon pour eux. Le métal c'est bien plus sécurisant, donc je conseillerais plus de prendre des grillages en métal. Voilà, nous ça nous a coûté, on a pris un seul rouleau pour les deux balcons, ça nous a coûté un petit peu plus de 10 euros. Donc c'est franchement abordable pour tout le monde, on peut accrocher ça avec des petits fils de fer. Nous on a accroché avec des petits trucs en plastique là qui... je sais pas comment ça s'appelle. Et voilà, donc autre chose aussi à faire attention, c'est d'éviter de mettre... des plateformes où les lapins peuvent monter et se rapprocher du haut du balcon et sauter par-dessus, par exemple des chaises ou des tables. Donc nous on a une table de jardin, des chaises de jardin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bien attention de bien les replier quand on n'est pas là, qu'on peut pas la surveiller. Bon, de toute façon on va pas la laisser sortir quand on n'est pas là, hein. Ça c'est sûr. Pour pas qu'elle puisse monter sur les chaises puis sur la table et risquer de tomber de l'autre côté. Donc faire attention de bien ranger ou d'empêcher le lapin qui puisse monter sur les plateformes. Sur les balcons et les terrasses. Ah, déjà, moi, je compterais la longueur.
Il reste ce trou là à boucher. Vas-y, fais voir comment on fait. On coupe un bout comme ça ou on met non. carrément un bout comme ça? Non, on coupe pas juste là comme ça. Tu vas là comme ça. Alors, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas encore fini, Choupette. Tu te sens plus en sécurité? T'es sécurisé? Ensuite, une fois que vos terrasses sont bien sécurisées, bah vous pouvez les aménager pour votre lapin, mettre des bacs avec de la terre dedans pour qu'il puisse gratter, des bacs avec de l'herbe à chat qui puisse grignoter, gratouiller dedans, aussi avec des herbes aromatiques, on peut mettre de la menthe, du persil, on peut mettre de la verveine, du pissenlit, du plantain, que votre lapin va pouvoir grignoter comme ça à volonté. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur ma page Facebook Philou Mon Lapinou. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao.